J'ai donc poursuivi devant le tribunal correctionnel l'année dernière, donc en 2018, monsieur Hicham Aboud. Il y a eu une audience qui avait duré un certain temps. Monsieur Aboud n'était pas là, il n'était pas présent, il était représenté par son avocat. Et j'ai donc plaidé pour Anis Rahmani et on a gagné. En juillet 2018, on a obtenu quatre jugements qui condamnent quatre propos litigieux et des vidéos YouTube de monsieur Aboud. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille? Il a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Douai. Et là, tout ça prend du temps, puisque là, maintenant, nous sommes aujourd'hui en avril 2019. J'ai donc plaidé en mars 2019 pour Anis Rahmani. Et à nouveau, la cour d'appel a confirmé les décisions du tribunal correctionnel de Lille. Et monsieur Aboud a été condamné à quatre reprises pour diffamation publique envers particulier.